Salut et bienvenue dans cette vidéo qui s'inscrit dans la série « Comment se préparer pour la nouvelle saison au jardin ». Il y aura d'autres épisodes qui vont sortir. Si tu veux rien louper, clique en bas à droite sur « Abonner ». On va parler des tuteurs, notamment des tuteurs à tomates. Je vois sur les réseaux sociaux des ficelles partout, sur toute la longueur ou des fils de fer. Je trouve que c'est pas du tout écolo. On se retrouve avec une tonne de déchets à la fin de la saison. Personnellement, je trouve ça nul. J'ai inventé un système que je trouve, en rigolant, le meilleur du monde. Avec seulement ça, une seule attache, j'arrive à faire toute la croissance du pied de tomate jusqu'à 3 mètres de haut, tout en haut de la serre. Uniquement avec ça. Je trouve ça génial. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Regarde ce que personne ne montre jamais. Donc au mois de décembre, c'est quand il faut enlever les plants de tomates. Regarde, en une seule attache, je libère entièrement le pied de tomate. Le concept, il est juste génial. Cette attache, elle m'a permis de suivre le pied depuis le début jusqu'à sa fin. Alors nous voilà dans la serre où je viens de planter les tomates. Donc à l'aide de ce petit fil ici, j'ai attaché la tomate, ici en l'occurrence une babouchka, une tomate qui monte à plus de 4 mètres de haut. Donc je l'ai attachée ici au premier double clou et la tomate va monter, 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 monter. Et puis c'est là qu'à ce moment-là, elle va passer sur la ficelle. Donc je vais les enrouler et jusqu'au faîte de la serre. 16 jours après la plantation, donc on voit ici le plant de tomate, il est à peu près à 30 cm. Alors on va faire une opération, donc on voit qu'il a bien grandi. Le tronc ici, on voit il est vraiment maintenant large, il est en train de se durcir, de s'affirmer. Il est temps maintenant de changer de 1 l'étage de la fixation ici. Alors, surtout ne jamais enlever en bas avant d'avoir fixé par le haut, parce que vous risquez de casser votre pied de tomate ou il risque de se courber. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une nouvelle attache ici. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est la jungle. Donc, la toute première chose avec mon attache, et ça, c'est vraiment l'avantage de ce système. C'est que j'ai qu'une seule attache durant toute la croissance des plantes. Donc, je viens simplement ici mettre mon attache, comme je vous l'ai déjà expliqué, avant d'enlever celle du dessous. Voilà, c'est fait. Vous aurez besoin d'un marteau, vous aurez besoin d'un petit tournevis, vous avez besoin d'une pince coupante, d'une bride que vous trouvez dans tous les magasins, d'un piton et de 4 clous à double pic. Donc la toute première chose pour garder longtemps vie vos piquets, vous commencez par mettre une bride ici, tout en haut du piquet. C'est là où on le tape avec la masse. Cette bride, elle doit vraiment être bien serrée à fond ici. Et avec la pince coupante, donc je vais simplement couper ce qui dépasse de la bride. Donc quand vous allez taper ici, ça va éviter que le bois s'ouvre et que votre piquet soit foutu. Donc c'est une technique, ça évite aussi l'incorporation de l'eau. C'est une technique que j'ai utilisée depuis plusieurs années et qui fonctionne vraiment très très bien. Ensuite, donc je vais la poser ici. Et à l'aide de la perceuse avec juste un tout petit, c'est en fait courte, une visseuse, et j'ai une toute petite mèche ici. Je vais venir faire un trou ici tout près de la bride. Le piton, comme ça,
Donc je commence avec les doigts et puis après avec le tournevis. Alors ça, c'est vraiment le meilleur système que j'ai trouvé. Pourquoi? Parce que vous pouvez enfoncer votre piquet sans problème et vous allez pouvoir attacher, je dirais, le support, la ficelle ici. Et ça, c'est du solide, vraiment, ça ne bouge pas. Dans la lignée, donc je vais maintenant mettre mes quatre clous à double tête jusque à peu près au milieu. Au milieu du piquet qui fait 1 mètre. Je vais résumer. Vous avez la terre qui va monter jusqu'ici. Donc je vais enfoncer le piquet à peu près jusqu'ici. Ensuite, vous avez le premier crochet et j'ai simplement un fil ici qui vient attacher la tomate et que je vais déplacer au fur et à mesure jusqu'à arriver tout en haut du piquet. Et croyez-moi, des tomates qui montent à 4 mètres, un piquet d'un mètre, ça ne va pas suffire. Donc ici, va venir une ficelle qui va venir s'accrocher sur la serre. Voilà, c'est le système le plus simple, mais aussi le plus résistant. Il est toujours très intéressant de voir le système en production. À l'écran, donc, on voit plusieurs kilos de tomates qui n'ont aucun problème à être soutenues par le tuteur. Et ça fonctionne même vraiment super bien. Donc, c'est pratique, c'est durable. Ça a vraiment tous les avantages. Elle n'est pas jolie, ma serre à tomates, vue par le haut. Alors j'espère que cette petite vidéo sur les tuteurs t'a plu. Si c'est le cas, lève le pouce pour me le faire savoir. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt !